Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle voiture. Donc c'est une Alfa Romeo 147 1.9 GTD. C'est une voiture qui est niveau carrosserie, elle est nickel, mais il désire changer de couleur. Les jantes elles sont un peu abîmées, mais on va les refaire en peinture aussi, réparation et tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un bleu ciel. Au niveau des jantes, on voit qu'elles sont légèrement abîmées, mais on va les refaire. Niveau carrosserie, bon, il y a un petit poc ici, il se verra plus. Donc je sais pas si c'est bleu ciel ou si c'est un bleu gris en fait. Hop. Bon, c'est une voiture qui est vraiment propre de base. Bon, là, je me permets de filmer les plaques parce qu'elles vont être changées dans tous les cas. Les nouvelles sont dans le coffre. Donc, sur cette voiture, on va partir sur un beige militaire, jantes en blanche. Et par la suite, ce ne sera pas moi qui vais le faire, mais les calandres elles vont peut-être passer en noir, mais il hésite encore. Et on va fumer les feux à l'arrière. Je pense que ça va rendre bien. Ouais, je pense qu'on va s'amuser. Ça va permettre de voir le beige, comment ça va rendre dessus. Ah, il va changer ses logos aussi. Il a acheté des logos, il va les mettre en noir et blanc. Bon bah je vais vous filmer ça. Ce que ça donne, franchement, pas déçu du beige. Et encore là, elle n'est pas entièrement séchée, donc là il reste encore deux pots à mettre. Mais franchement, j'ai essayé de vous faire. Après, là, il commence à plus avoir trop de soleil, du coup, elle fait un peu sombre, mais franchement, elle rend vraiment bien quoi. Bon. C'est le moment de tout retirer. Je suis accompagné. Je l'ai subtilisé en sortant de la douche. Je lui ai dit, viens là! Je l'ai tiré comme ça. Elle m'a dit, non, s'il te plaît. J'ai dit, si, dépêche-toi. Je ne vais pas trop laisser le choix. C'est comme ça qu'on... Bon, après, ce soir, je vais être puni, mais tant pis. C'est comme ça qu'on fait.
C'est quand même pas mal satisfaisant. Bon, je sors de la douche, la voiture est terminée, les jantes aussi, du coup peint en noir. Là, je vais vous montrer les images de la voiture complètement terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Mettez un commentaire si par exemple vous voyez qu'il y a trop de blabla, si vous en foutez de la voiture avant, pour que ça me donne une idée pour les prochaines vidéos, histoire de concentrer un maximum de choses qui vous plaisent plutôt que de mettre est-ce que les timelapses ça vous intéresse plus, est-ce que juste la voiture ça vous intéresse, est-ce que m'entendre parler ça vous saoule, ce que je pourrais comprendre, parce que c'est vrai que je suis chiant. Ça pourrait m'aider à savoir comment tourner les prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que vous profiterez de ce magnifique temps. Et moi je vais voir pour la prochaine voiture. Allez, ciao!